coucou à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, mes cadeaux de Noël. J'ai eu à Noël une tondeuse Progress Affinger. Donc voilà comment elle est, donc la boîte. Et voilà la tondeuse à l'intérieur. Donc elle est vendue avec son huile de sa marque. Voilà, Finger. Ses outils pour la régler. Son pinceau pour la nettoyer en cas de besoin. Et la fameuse tondeuse Progress. Donc voilà, c'est un énorme cadeau, hein. Donc ensuite, j'ai eu un couvre-rein pour faire des exercices pour longer le cheval. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est un couvre-rein couverture pour échauffer le cheval lorsqu'il est tondu. Donc moi je l'ai en noir, voilà, avec des bordures rouges et blanches. Taille M j'ai pris. Et c'est un couvre-rein anti-puits, donc voilà. Donc ici, il y a un élastique, un gros élastique pour que le cheval puisse baisser la tête naturellement. Voilà, et là, il y a les seins. Et puis ensuite, j'ai eu une autre couverture donc, de Marc Fugenza. Donc c'est une couverture donc anti-puits et elle est très chaude. Donc je ne sais pas combien de grammes elle fait, 300 grammes, voilà. Donc c'est une couverture qui se présente comme ceci dans son petit sac, comme le couvre-rein en fait. Donc voilà, elle est bleu marine avec des bordures toutes simples, gris et blanc. Et voilà, donc dedans elle est toute molletonnée, donc on voit pas trop à la caméra. Mais elle est vraiment très épaisse en fait, c'est vraiment une épaisseur genre énorme, enfin voilà, comme vous pouvez le constater. Et donc elle se présente comme ça, je vous montre la photo avec le cheval. Pour terminer cette vidéo, j'ai eu une autre couverture de marque Equitem. Donc voilà, je vous montre l'emballage, donc il était trop beau, en violet comme ça. Donc voilà, ça c'est une couverture de box. Donc elle est comme ceci. Elle est bleu, marine, marron clair et blanc. Donc elle a des sangles de cuisses, des passages de cuisses quoi. Voilà. Avec son logo ici de la marque. Il est transparent, il est trop beau. Elle a un protège-garrot donc comme on goûte. Et elle est comme ceci aux ouvertures. Donc elle a plusieurs pinceaux. Enfin je sais pas comment on appelle ça, des sanglons là. Et donc elle est très chaude, elle est très épaisse pour l'hiver, pour au box, avec une ouverture ici de cuisse et ses sangles pour passer sous le ventre. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu.